Allô? Allô? Bonjour monsieur, c'est Magali. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce qu'Hélène est là, s'il vous plaît? Une seconde, ne quitte pas. Allô? Hélène? C'est Magali à l'appareil. Comment ça va? Très bien, et toi? Super. Tu as passé un bon week-end? Bof, ça a été. Je n'ai rien fait de spécial. Samedi, j'ai fait mes devoirs. Dimanche, j'ai regardé la télévision. Et j'ai lu un peu. Et toi, tu as passé un bon week-end? Excellent. J'ai passé un week-end super. Ah oui? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée au théâtre antique avec Florent. Il m'a présenté un garçon très sympa. Il s'appelle Ahmed. Il est super gentil. Salut Magali. Je te présente Ahmed. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, et toi? Très bien. Alors, vous venez? Il a quel âge, ton prince charmant? Oh, il a 16 ans. Il est mignon? Il est super mignon. Il a les yeux marrons, les cheveux noirs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au théâtre antique? Florent a pris des photos. Et alors? Nous avons beaucoup parlé. Tu sais, il adore le sport. Il aime le tennis, comme moi. C'est super! Regarde la vue d'ici! Oui, oui! Tu es en quelle classe? En quatrième. Et toi? En troisième. Qu'est-ce que tu préfères comme matière? La gym. Et toi? Histoire géo. Alors les copains, vous venez? On arrive. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, rien. Les garçons sont rentrés. Moi, je suis allée faire des courses avec Sophie. Et puis le soir, nous sommes allés au cinéma. Avec Ahmed? Mais non, avec Sophie. Et Ahmed, tu as revu Ahmed? Attends. Dimanche, nous sommes tous allés au Beau de Provence. Ahmed aussi? Oui, et Florent, bien sûr. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Je vais te raconter une histoire incroyable. Je t'écoute. Magali! Attends une seconde. Oui, papa? Je dois téléphoner. Écoute, Hélène, mon père veut téléphoner. Je ne peux pas parler. Je te rappelle plus tard. À bientôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Beau de Provence? Allô? Hélène? C'est encore moi. Je suis désolée. Ne t'en fais pas. Ton père a téléphoné? Oui, mais la ligne était occupée. Alors, raconte, comment est-ce que vous êtes allé au Beau de Provence? On a pris le car. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Oh, beaucoup de choses. On a passé un après-midi super. Raconte. Nous sommes arrivés au Beau vers 10 heures. D'abord, nous avons visité le village. Florent a pris des photos. Tu vas voir. Génial, les Beaux de Provence. Ensuite, on est allé en haut du village. La vue est superbe là-haut. Hé, c'est pas mal. On a une jolie vue. Puis, on a visité la citadelle ancienne. En descendant, on s'est arrêté dans une petite boutique où l'on vend des santons. J'en ai vu un qui était très joli, une bergère.
On a acheté des cartes postales et des souvenirs. Il y a de très belles choses au Beau, des objets provençaux. Et après ? Après ? Oh, on a repris le car et on est rentré en Arles. C'est tout ? Non. Aujourd'hui, j'ai reçu un paquet d'Ahmed. Un cadeau. C'était le santon de la boutique. C'est pas vrai. Si, il y avait un petit mot de lui. Raconte, je t'écoute. Chère Magali, on s'est bien amusé ce week-end. Voilà le santon que tu as admiré. Je voulais t'en faire cadeau. Florent m'a invité à la fête d'anniversaire de Sophie, vendredi soir. Tu vas y aller ? J'aimerais bien te revoir. Mon numéro de téléphone est le 42 34 76 22. Amicalement, Ahmed. Quelle belle histoire ! Incroyable, non ? Alors, à ton avis, qu'est-ce que je fais ? Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Tu devrais lui téléphoner, au moins pour lui dire merci. Tu es sûre ? Oui, téléphone-lui. Bon, ben, je l'appelle. Tu as raison. Merci. Eh ben voilà. Allez, salut. Salut, à bientôt. Allô ? Allô, bonjour. Est-ce qu'Ahmed est là, s'il vous plaît ? C'est de la part de qui ? Magali. Une seconde, s'il vous plaît. Il est parti. Vous pouvez rappeler plus tard ? Oui. Je peux laisser un message ? Bien sûr. Vous pouvez lui dire que j'ai téléphoné ? Très bien, mademoiselle. Allez, au revoir. Merci, madame. Au revoir.